Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Reigns. J'ai fait l'install micro la plus dingue de toute ma vie. Il y a des travaux absurdes à côté de chez moi depuis maintenant 6 heures. Et ça y va à coup de perceuse, hein, pour, enfin de perceuse, de tractopelle pour défoncer le sol. Merde, il faut jouer, attendez. Et croyez-moi, je ne suis pas heureux, je ne suis pas bonheur. Et donc voilà, on se retrouve sur Reigns pour essayer de décompresser un petit peu tranquillement à base de tranquillade. Je vais montrer la voie de la sagesse à tes marchands, sois mon témoin. Attends, je peux payer. Acturus de fortune s'en va, mécontent, mais avec votre argent. Nickel, garde, c'est pour moi ces cadeaux. Monseigneur, votre armée est une piètre hygiène. Nous devrions consacrer un peu d'argent à ce problème. Alors oui, par contre c'est pas toi qui va consacrer de l'argent. Enfin, c'est pas toi qui va consacrer des soins en tout cas. La guerre est interminable et coûteuse, demandez un cessez-le-feu. Alors, non. Non, parce que je m'en bats les couilles. Personnellement. Nous voudrions lever un nouvel impôt pour l'église, partagé avec la couronne, bien sûr. Alors là, non. Évidemment, on a plein d'argent, on s'en tape, on laisse l'église crever. Un marchand étranger vend des machines agricoles d'un genre nouveau. Nous devrions en faire une copie, oui. Ça, oui. Votre forteresse est trop fragile. Construisons une nouvelle tour, oui. J'ai fait la connaissance d'un ménestrel de grand renom, remplissant l'atmosphère de mélodies harmonieuses. Très bien. Nous avons besoin d'argent pour organiser le festival du printemps. Alors oui, je te donne de l'argent, j'ai la foi, j'ai beaucoup la foi. La récolte est un désastre, le peuple est affamé. Je t'en prie mon roi, baisse les impôts ou nous mourrons. Oui. Oui, oui. Et là on laisse l'argent remonter. On laisse tranquillement l'argent remonter, voilà. Vous voyez qu'on a un taux d'argent qui est vachement faible. C'est genre quand tu te dis je vais faire banqueroute dans 5 secondes. Mais non, ça passe encore. Le message dit, les Iliens nous menacent. Nous devrions les attaquer avant qu'ils ne le fassent. J'adore cette rime. Bah non. J'ai pas envie d'attaquer les Iliens. Nous avons un problème. Un moine s'est mis à mordre ses frères et ça se propage très vite. Général ou des loups-garous? Général. C'est probablement un cas de lycanthropie. Je ne touche pas à ça. Des loups-garous ou c'est un ordre? C'est un ordre. Général Bromington mit les moines en prison. Sous la torture, ils finirent par avouer être effectivement des loups-garous. Si tu es torturé, ah, je suis un loup-garou. Des loups-garous, je ne crois pas, non. Il s'agit plutôt d'un manque cruel d'activité physique. Un bateau a été mis en quarantaine, c'est peut-être la peste. Faut-il étendre la mesure à tout le port? Oui. Ah putain, on est pauvre. Votre pays ruiné, votre Altesse, les marchands et les nobles possèdent tout. Non ! Une nouvelle oligarchie vous envoie en exil. Oui, mais j'avais peur que mon peuple y meure, ok ? J'ai préféré nous ruiner pour l'amour de mon peuple. Bordel de merde. Bon, on a tenu 12 ans. On a tenu 12 ans, on va être sage. Et là, on va gérer. Non, mais il y a encore là le choléra, là. J'aime pas. J'aime pas, laissez-moi tranquille. La population du Nord est superstitieuse et ne respecte pas notre foi. Construisons des églises. Allez, vas-y. Comme ça. J'ai trouvé un champignon bleu, un brin dans la forêt. Le bleu me paraît comestible. Donnez-le-moi. Alors, je sais évidemment ce que ça fait, hein. Mais je kiffe, voilà. Notre belle capitale sur le cadavre la moitié de l'année. Construisons un système d'égout. Oui. Legit à mort. On construit le petit système d'égout qui va bien. J'adore cette mise à jour avec les décors, hein. C'est assez ouf. C'est assez ouf à quel point c'est plaisant d'avoir des décors. Bref. Monseigneur, le roi de l'Ouest vient vous rendre visite. Eh bah écoute, quelle joie ou quel ennui. Quel ennui. Nous devrions organiser un grand banquet. Bonne idée? Non. Bonne idée. Ça fera plaisir à tout le monde, le peuple, les manants et manantes. C'est une très mauvaise idée. Le roi préférera aller à la chasse. Non. Je suis désolé, mais non. Le roi ne chasse pas, le roi mange. Cette visite est une diversion pour préparer l'attaque sur une de nos provinces. Envoyez l'armée. Oui. Ça, c'est rigolo. Il est trop drôle, lui. Ah, j'aime beaucoup ses cheveux. Je voudrais mener des recherches sur les armes et la guerre. Acceptez-vous de m'aider? Alors, je vais dire oui, mais c'est très risqué. Très très risqué. Un riche marchand a été retrouvé mort. La rue parle du sénateur. Devons-nous poursuivre l'enquête? Oui. La région montagneuse à l'est accepte mal l'autorité de Voltrates. Que faire? Ou je m'en fiche. Que faire? Que faire? Nous pourrions demander à Sir Henry de prendre la tête de la région et lui faire payer ce privilège. Non. Non, ça c'est mort. C'est notre 20e anniversaire, Voltrates. Fait-on ça? Oui. Oui, ça coûte de l'argent, mais on se met bien. Ces loups me rendent dingue. Ce soir c'est décidé, je brûle la forêt. Oui? Ouais, vas-y. Tard dans la nuit, sire, c'est moi, Puck. Il est arrivé quelque chose de terrible. Je vois ça. On est amoureux? Non, parce que j'ai envie d'avoir. D'organiser une lune de miel animale, peut-être avec toi, peut-être tous les deux, quoi. Je me sens plutôt bien, ma foi. J'ai l'impression d'être plus fort et j'ai faim. Tu es libre. Ok. Peu après, plusieurs moutons et quelques paysans disparaissent. Très bien. La croisade dure depuis trop longtemps, votre armée? Oui!
Oh putain, j'ai réussi à me retirer de la croisade. Ah, je commence à avoir mon peuple qui allait crever. Là, ça faisait 10 ans qu'on croisait des trucs. Et on est bon, on est bon. Tes prêtres et témoins ne sont pas les envoyés du Seigneur. Si, si, non. Non. Mec vénère, t'sais. La guerre est perdue, sire. Nous devons accepter les conditions fixées par nos ennemis. Oui. Ah non, c'était forcément négatif. Ok. Ah, me feriez-vous l'honneur de me présenter à un certain gentilhomme de votre cour qui partage, me dit-on, mes tendances animales? Oui. Monseigneur, elle va me manger, j'en suis sûr, protégez-moi. Oui. Le peuple est pauvre, est affamé, il est trouble. Mais vas-y, là, je parlais tranquillement. Je parlais tranquillement avec des loups qui allaient se pécho. Non, mais Twilight, s'il vous plaît. Laissez-moi vivre l'instant Twilight. Non, mais c'est vrai. Il faut. C'est mon Edward Sweden. Je sais plus comment il s'appelle, le mec de Twilight, quoi. Mais laissez-moi être. Wow, ok. Cette fois-ci, les loups vont se marier. Croyez-le, moi. Croyez-moi bien. Enfin, croyez-le, quoi. Et du quel peuple, bien sûr. Le mec tranquille. Mes hommages, votre altesse. Je souhaite écrire une pièce pour vous. Peut-être une bonne idée. Qu'est-ce? Un hymne pour honorer les cieux. Rien d'autre? Une chanson populaire pour réjouir et inspirer le peuple. Non, non, tu vas me répondre un chant de guerre. Rien d'autre? Ma muse intérieure me parle. Puis-je écrire librement avec votre bénédiction? Oui. Ok, on lui a laissé le. Le choix, le risque. Alors, le grange commune, oui, mais non. Je suis obligé de mettre non parce qu'on n'a pas les moyens. Je pense que ça nous met en banqueroute si on le fait. Le royaume est en paix, l'économie est florissante. Vous devriez garder de l'argent de côté pour les jours difficiles. Oui. Clairement, clairement, c'est sûr. Une explosion dans la mine a provoqué la mort d'une centaine de personnes. Devons-nous continuer à creuser? Non, non, bah non, non, je ne vais pas vous laisser creuser. Il nous faut de meilleures défenses. Les barbares de l'Est sont aux portes du royaume. Oui? Non. Eh ben oui, il me faut des meilleures défenses, mais... Ah, allez, oui, ça va pas coûter trop cher, nickel. Monseigneur, c'est avec un grand enthousiasme et forte trépidation que je vous dévoile aujourd'hui mon grand œuvre. Les mots me manquent, ou très traîtrise musicale. Traîtrise musicale. La ménestrelle trouve le moyen d'échapper au bourreau grâce à ses nombreux fans. Oh! Nous ne savons plus comment faire pousser des fraises. Vous ne trouvez pas ça étrange? Je vais faire des recherches. Les exécutions d'abord? Non, parce que là, t'es quand même en train de me demander comment on fait pousser des fraises. C'est-à-dire que, certes, je suis pas un expert en poussage de fraises, hein, mais fondamentalement, je sais que c'est pas ton travail, hein, en tant que bourreau, et je sais que c'est pas ton besoin. Bref, maintenant, je suis avec Cedric Wright, comme le juge, là, voilà, et laisse-moi travailler. Vous voulez épouser la jeune princesse d'un royaume voisin? Non, 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 moi, je suis plus branché animaux. Les Vikings attaquent, nous devrions nous défendre contre le royaume du Nord. Alors... Si j'attaque, je perds de l'argent. Si je défends, je perds de l'argent, non? La guerre, ça coûte de l'argent tout le temps. Je vais attaquer. Faillite, allez, voilà. Non, mais... Oh là là, on est torturés. Licorne libre au chien, mais c'est honteux. Non, non, mais laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît. Laissez-moi, voilà, laissez-moi faire mon travail. Waf, waf, waf. Rex vous invite à le suivre. D'accord, d'accord. Ouf, grrr. Rex vous conduit dans une caravane isolée sur la place du marché. Non, pas ici. Waf waf, Rex autour du château et vous amène à la salle du trône. Assis. Ok. Vous avez assez travaillé aujourd'hui et si nous faisions quelques passes, monseigneur, en garde. Toi, t'as déjà essayé de me pécho là dans l'épisode précédent. Tu vas te faire défoncer le boule. Je veux dire, en toute amitié évidemment, hein, mais je vais t'éclater. Tu vas danser en enfer avec moi. Tu n'es qu'un ver de terre assez téméraire pour s'attaquer à un aigle. Oh oh. Il m'a tué? Oh, monseigneur, vous avez touché mon cœur. Et vous, le mien, à chaque fois, c'est ça, en fait. Ok, donc, on a notre amant homosexuel. Le peuple souhaite assister à votre réveil. Ils sont prêts à payer pour ça? Non. Si on veut leur relation commerciale avec leur... Ils sont plus riches que nous, que pouvons-nous nous faire? Je ne veux pas savoir, que pouvons-nous faire? Et si on se lançait dans une bonne croisade? Bonne idée. Voilà, donc les croisades du bonheur, évidemment. Ah non, ça affecte... Ah merde! On est en croisade, ça devait affecter le peuple, et ça a été retransmis sur la religion, donc ça affecte la religion, très bien. Et je veux votre autorisation pour ériger une basilique à Damascus. Oh, Damascus, évidemment, évidemment. Bah oui, la petite basilique à Damascus, mais moi je dis oui tout de suite. Ah, la basilique de Damascus... Bah, mon rêve. La reine du Sol nous offre son aide pour repousser l'envahisseur. Oui, très bien. Je vais rendre visite à nos voisins. Ces païens ont besoin de mon aide, à moins que tu aies besoin de moi ici. Non. Oh putain.
Oh putain, j'ai donné trop de pouvoir au guerrier là. C'est un coup d'état, donnez-moi le pouvoir à l'instant. Oh non mais... Eh mais attendez, j'ai fait toutes les morts possibles et imaginables là depuis 10 minutes de vidéo. On va se ressaisir, on va faire des trucs de gueudin mon gars. On va faire des trucs de dingue, ça va être de la folie. Ça va être de la pure folie. Nous pouvons négocier une paix durable grâce à l'effort diplomatique coordonné de nos ambassades. Oui, très bien. L'estuaire de la rivière Goutte est un dangereux marais pour les voyageurs et il faudrait assainir toute la région. Oui, évidemment. Je peux apprendre à maîtriser la magie blanche. Oui. Mais d'abord, vous devez me prouver que je ne perds pas mon temps avec vous. Oui. Prononcez le mot sake, Sglando, à la manière de l'Est. Bah du coup, c'est toujours la même technique qu'avant. C'est celui-là. Parce qu'à la manière de... Ouais, la manière de l'Est, c'est ça. Parce que ça décale une autre. Bon, l'alphabet. Bref. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Je ne sais pas où j'ai changé d'avis. Je ne sais pas. Un moyen de tenter le destin? Quelque chose d'autre? Une manière de jouer un tour des mondes? Oui. L'hélice éco jette des osselets blanchâtres en l'air. Je vois 6 chiffres. 1043, 683, 1214, 848, 842, pardon, 1432 et 1669. Alors le plus proche de nous, c'est 1432. Excusez-moi, je le note. Je vais noter genre tous ceux qui sont supérieurs. Je suis en train de noter ça sur un papier où je suis pas censé écrire ça. C'est pas grave. 1432, 1669, 1214, c'est dépassé. Oui, ok, tous les autres sont dépassés. Très bien. Merci, bonne journée. Le bonheur de votre peuple est-il un but raisonnable? Une aspiration, plutôt. Une aspiration, plutôt, évidemment. Acceptez-vous de bénir les nouvelles églises? Oui. Tiens, prenez mon argent. C'est l'hiver le plus rude de ces 30 dernières années. Avec la maigre récolte de l'année dernière, votre peuple est affamé. Donnez nos réserves ou je ne peux pas aider. Donnez nos réserves, évidemment. La moisson est excellente cette année. Nourrissez la population, nourrissez l'armée. Nourrissez l'armée. Une bande de vos maudits soldats, Miyasaki Nabi. Nous voulons que justice soit faite. Oui. Ouais, ouais. Une nouvelle technique agricole a considérablement amélioré la récolte. On a plein de sous. Partageons. Évidemment, nous devrions instaurer un couvre-feu. Les ennemis de la capitale ne sont pas sûrs. Oui ou non? Oui. Oui. Je peux attirer des fourmis rouges dans le lit des baronnies de l'Est? Oui. Ça me coûtait de l'argent, mais vas-y, fous le bordel. Ce gâteau vous donnera un aperçu du paradis, monseigneur? Non. Non, c'est pas possible, je ne mange pas un gâteau comme ça. Il faut qu'on aille au devant du public, les exécutions soient moyennes d'ennui. Ajoutons des feux d'artifice et des jeux. Oui, oui, ça c'est bien pour le peuple. Faisons comme si je n'avais rien entendu. Non. Le mec vénère. Une de vos décisions va entraîner la mort de milliers d'innocents. Laquelle? Non. Laquelle? Ah putain, je sais pas quelle réponse c'est quoi. Laquelle, ça fait quoi? Laquelle, ça aide le peuple, très bien. Donc j'aurais dû dire non. Dieu m'a parlé, nous devons trouver la Saint Graal à tout prix. Eh bah écoute... Tu me fais un coup d'état si je te dis oui, donc je vais te dire non. Les baronnies de l'Est attaquent, nous ne pourrons l'emporter qu'en enrôlant la population. Je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Monseigneur, les loups dévorent nos enfants, pouvons-nous les chasser? Je m'en occupe ou vous bluffez? Je m'en occupe, je vais être un ouf. La chasse n'a pas donné grand-chose, nous avons trouvé que deux champignons, un brun et un bleu. Donnez-moi le brun. Rien ne se passe, ouais, j'avais pas envie de bouffer le bleu. Général Bloomington est un saumon remontant le courant d'un torrent, blablabla. Un bateau a été mis en quarantaine, c'est peut-être la peste. Faut-il étendre la mesure à tout le port? Oui. Ça c'est bon, ça fait revivre notre population. De pas beaucoup, mais ça fait revivre notre population. Vos gens sont au bord de la famine, votre Altesse. Le prix du pain est trop haut. Réduisez-le de 50%, évidemment. Non mais ça remonte pas du tout. Nous avons découvert l'entrée d'une crypte du château. Non, je peux pas y aller. Puis-je démembrer Borat langue pendue, pas si vite. Va-t'en ou paye l'armée. Paye l'armée, voilà. Le peuple est pauvre et affamé, les troubles se multiplient. Et merde, putain de croisade de merde. Non mais, oh, comment je fais Twilight moi maintenant? Comment je marie deux loups? Non, comment je fais? Comment je fais? Tu me dis? Au lieu de me faire des croisades là. Ici, à Damascus réside le secret le mieux gardé du monde. Je le savais, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Vous devriez créer un musée des sciences pour constituer le catalogue du vivant. Je peux y consacrer un peu de mon temps. Allez, vas-y, nickel. Avez-vous besoin d'argent, sire? Je peux vous prêter 8000 pièces d'or à 5% d'intérêt. Oui. Ouais, je suis un mec comme ça. Donnez-nous le pouvoir pour faire respecter la loi du Très-Haut. Le peuple est prêt à payer le prix. Oui. Voulez-vous épouser? Non. Je veux pas épouser personne. Voilà, j'ai mis un peu de bordel, mais c'est cool. Seigneur, il est temps de payer vos dettes. Oui, très bien. Rien ne cesse de gémir de désespoir. Quelque chose ne va pas.
caresser le chien ou frapper le chien. On est en 1332, qui est une date dont on se fout littéralement. J'ai envie de le frapper quand même. Cela vous affectera chaque année. Le temps est mort, l'espace insensé, le voilà à nouveau. Vous sentez votre bouche fermée comme si vous n'en aviez jamais eu. Petit roi, petite marionnette. Ton pouvoir est absolu. Si je le veux. Ton désespoir est éternel. Si je le désire. Notre petit jeu devient répétitif. Je pense que 1998, Coupe du Monde, sera ma dernière visite. Et 666 x 3. En attendant, indique-moi ta cible. Je te promets que celui que tu me désigneras mourra. Je ne rate jamais. Veux de mort, la prochaine personne à qui vous direz oui mourra. Très bien. Un envoyé du sultan souhaite vous rencontrer à Damascus. Non ! Je vais montrer la voie de la sagesse à tes marchands, sois mon témoin. Attendez, je peux payer, oui. Attendez, je peux payer. Je sais pas qui est-ce que je vais tuer. Un groupe de fanatiques a mis à sec l'hôpital, prétendant que seul Dieu peut guérir par l'imposition de vos mains sur leur corps. Non. Un reptile affamé se cache à l'est. Je peux me renseigner sur place, oui. Un corps fut retrouvé plus tard, cette année-là. Cette année-là. Horriblement déformé. Ok, je l'aimais vraiment pas, lui. Le message dit, un village du sud encourage la polygamie. C'était un peu genre... attends, c'était qui cette voix? Un village du sud autorise la polygamie. On dirait Belmondo en raté. Attends, je sais pas. Bref, il y a trop de condamnés à mort, j'ai besoin de l'aide de l'armée. Non. Le lézard ambitieux... Mais tu es mort, toi! Je t'ai fait tuer! Foiré. Le lézard ambitieux rassemble les parodies pour se transformer en dragon et vous écraser. Envoie l'armée! C'est stylé. Il y a une crise au sein de l'église, nous devons réformer la religion. Pas de problème. Le peuple est pauvre et affamé, nos troubles se multiplient. Non mais, les croisades c'est de la merde. Moi j'ai envie d'arrêter les croisades. Je vous le dis tout de suite, je suis pas chaud pour les croisades. On en a pas fait depuis genre 1300. Hein. Donc on va se calmer un moment. Cette armée a besoin d'un chef compétent et vous m'avez choisi, écoutez mes conseils, oui. Nous devons construire une nouvelle église, oui. Ouah, le bigot, construire 5 églises. J'ai construit 5 églises. Comment décrirais-tu les mouvements de ton âme? Combatif et ouvert, raisonnable et changeant. Il nous faut plus d'argent pour détruire les infidèles, monseigneur. Oui, très bien, détruisez les infidèles. Les mineurs refusent de creuser plus profondément, ils veulent être augmentés. Oui, très bien. Je voudrais pouvoir étudier l'horticulture à l'école. Et bah écoute, j'ai pas envie de faire dans la censure, hein, mais on va essayer d'apprendre des trucs utiles à nos gosses. Le programme scolaire étant déjà ce qu'il est, on va pas rajouter l'horticulture. Donc je vais te dire non. Ah, j'espère que c'est clair entre nous. Le message dit, un kraken a été vu au large de plusieurs villages du nord. Les pêcheurs sont terrorisés. Général. Mon roi, je voudrais vous chanter une chanson, elle s'appelle Le Fou et Sa Majesté. Oui. Il y a très très longtemps. Un pauvre fou chantait seul, une chanson triste, si triste. Ouais, non, c'est chiant, à chaque fois je me rappelle. Votre voix est construisons une nouvelle... Ok, très bien, construisons une nouvelle tour. La tour de la basilique est en train de s'écrouler. Apportez-nous votre aide. Oui, oui, très bien. Ta gueule, perceuse. Le message dit, un petit village dans les baronnies de l'Est a réussi à créer un golem. Pas possible. J'ai découvert un jeune peintre de génie. Ses œuvres sont la preuve évidente du divin sur cette terre. Je suis occupé, c'est surtout pour mettre du négatif à la religion, mais... Une foule en colère s'en prend à la principale maison close de la ville. Ils prétendent que les filles sont possédées. Dispersez la foule ou j'ai besoin de plus d'informations. J'ai besoin de plus d'infos. Le lâche, regardez ailleurs. Cool, je suis lâche. Devons-nous brûler la Damascus et tuer toute la population? Attends. Comment... j'ai découvert 422 cartes. Pardon. Comment je peux gagner... En genre détruisant tout... J'ai besoin de le faire. Non mais vous vous rendez pas compte, on ferait le plus beau génocide de l'histoire des génocides faits de manière génocidaire. Eh non, je le fais. Hein. Tuer toute la population, oui. Il se passe rien. Il se passe rien. Les armées du pape prennent le contrôle de ce pays sacré. C'est le paradis sur terre. Ils veulent vous tuer. Vous courez dans les profondeurs du château, découvrez les étages inconnus, rebroussez chemin, ou continuez. Cela affectera... vous affectera chaque seconde, mais je suis mort. C'est pas possible que je survive à ça. Mon taux de peuple, il est tellement bas. Ah bah, en plus, je me fais baiser. En plus, je me prends un coup fatal. Ah bah, très bien. Et j'ai encore mes stats qui font non, tu descends. Ça, c'est salaud.
Le roi est mort, les amis, le peuple est libre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on n'aura pas trop progressé. Épisode suivant, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on sera plus au même endroit, j'aurai évolué un peu de mon côté, etc. Voir s'il y a encore du renouveau et du nouveau, sinon on arrêtera très bientôt le projet de ce let's play. C'est évidemment, il faut qu'il se passe des trucs divers et variés, je crois qu'il se passe encore des trucs, mais qu'il va falloir aller encore un peu loin, découvrir encore pas mal de choses, hein. Vous l'avez vu, il y a des gens à découvrir, encore des rôles à découvrir, des cartes à découvrir, donc il y a encore beaucoup de possibilités, plus qu'à savoir lesquelles. Et plus qu'à savoir quand est-ce qu'on les trouvera. Bref, on se laisse, on se dit à la prochaine. C'était Unster Bleachers. Oh yeah. Allez, Bye bye les foutus travaux à côté.